écoutez, puisqu'on est entre nous, pour avoir la conscience tranquille, je vous redis ces derniers vers parce que je les trouve magnifiques. C'est avec un morceau. Ne croyez pas que c'est pour des raisons techniques, hein, c'est vraiment juste pour le plaisir. Non, non, mais c'est vrai, je m'en fiche complètement, ça n'a aucune importance, ça va très bien comme ça, mais je voudrais qu'il résonne fort dans vos oreilles. Surtout que c'est sur un sujet qui ne nous concerne en principe plus. C'est avec un morceau de notre insouciance, c'est avec un haillon de notre conscience, avec notre âme à tous, que l'exécuteur là essuie en s'en allant son hideux coutelas. Et je me suis demandé d'ailleurs, je me demandais en entendant ces alexandrins qui ont eu, avec retard, hein, quelque effet sur l'idée qu'on se faisait de la peine de mort, je me demandais, malgré le côté un peu vieillot de l'alexandrin, c'est vrai qu'on ne s'exprime plus trop en alexandrin, c'est rare qu'on commande un demi en alexandrin, mais je me demandais ce que ça ferait si, sur quelques grands problèmes d'aujourd'hui, sur des problèmes importants, plutôt que de laisser toujours le journaliste parler ou l'éditorialiste, vous savez, qui fait dans Libération un papier au vitriol et tout ça, si on le disait comme ça sur le mode du beau, moi, il me semble que c'est beaucoup plus fort. Mais bon, personne ne veut de mes alexandrins sur la retraite des cadres, donc... Vous êtes bêtes, hein. Alors, il y a cette... J'ai pris un élan terrible, et puis finalement, vous avez vu... Alors, il y a cette... Et les gens disent, c'est vrai, il a raison. Il y a cette... Non, cette faculté de Victor Hugo de compatir, de sentir, de détecter, de discerner la souffrance des autres, même dans des problèmes qui ne le concernent pas vraiment. Et Océano Nox, ô combien de marins, est un bel exemple de ça. C'est étonnant de s'être penché comme ça sur la douleur des femmes de marins et sur le tragique destin des marins disparus. Alors là, je vais vous dire que la première et la dernière strophe de ce poème-là, parce que il est très très long. Au fond, il donne l'idée au début, puis après il développe pendant une bonne centaine de strophes. Et c'est à la dernière qu'on apprend quelque chose d'important. S'il y a des hugoliens, hugolistes diplômés dans la salle, je vais avoir des procès en cascade. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, dans l'aveugle océan, à jamais enfoui. Bon, là, il y a tout le développement. Et cette dernière strophe est magnifique. Où sont-ils, les marins, sombrés dans les nuits noires? Ô flots, que vous savez de lugubres histoires, flots profonds, redoutés des mers à genoux? Vous vous les racontez en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Et ça, je voulais vous dire ça parce que, pour vous montrer que dans Victor Hugo, on apprend des choses, parce que vous ne saviez pas pourquoi la mer qui monte à une voix désespérée. Et bien, c'est pour ça. Et je vous assure que la prochaine fois que vous serez au bord de la mer, vous écouterez le bruit désespéré des vagues qui montent, et vous savez que c'est parce que ces vagues sont en train de se raconter des histoires de marins morts. Donc, ce que je fais ce soir n'est pas complètement inutile. Et pourra être un petit rayon de soleil dans vos prochaines vacances au bord de la mer. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, de dire un tout petit mot sur ce qu'on a beaucoup reproché à Victor Hugo, sa mégalomanie. À 14 ans, vous le savez, Victor Hugo dit « Je voudrais être Chateaubriand ou rien ». Bon, moi je lui pardonne bien volontiers, parce que c'est à 14 ans, donc bon, c'est une bravade de tout jeune homme, de tout jeune adolescent. Mais c'est vrai que sur la fin, avec le succès, Hugo reçoit chez lui Place des Vosges comme un premier ministre, comme un président de la République, comme un pape. On a beaucoup dit que voilà qu'il était un peu mégalo. Et en même temps, moi, quand j'entends parler de ça, je pense à
à la haute idée de soi-même qu'ont, par exemple, les présentateurs de la météo à la télévision. Et je me dis que tant qu'à faire d'être un peu mégalo, bon allez, maintenant, un peu de sérieux. Vous dire un texte, mais alors, celui-là, c'est un texte terrible, il s'appelle Le Parricide. Alors accrochez-vous, il est vraiment terrible. Et même, peut-être Tom, je vais te demander, pour renforcer l'atmosphère terrible, de faire ça, de mettre un petit peu moins de lumière.